working for a living. Vous travaillez juste pour vivre. Oh, but what a blessed thing it would be. Mais quelle chose bénie ça sera. If somebody come and give you an invitation. De voir quelqu'un venir vous donner une invitation. From our beloved president. De notre aimable président. Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower. Comme le nom là est difficile. To attend a great wedding banquet for his son. Pour atteindre dans le fait de son fils. Listen. Écoutez. Oh my. You know that you would brag about it. Vous savez que vous allez vraiment faire le bruit pour cela. Amen. Amen. You would go all over Los Angeles telling the people. Vous irez partout à Los Angeles dire aux gens. Look what I got. Regardez ce que j'ai. I got an invitation. J'ai une invitation. To go to the White House. Pour aller à la Maison Blanche. You'd brag all about it. Oh, vous allez faire le bruit, oh là là. How about bragging about your invitation to go to heaven? Mais qu'en est-il de faire le bruit pour votre invitation d'aller au ciel? Oh, I got an invitation. J'ai une invitation. To go to a supper. Pour aller au souper. But Jesus has prepared. Que Jésus a préparé. Alléluia. Amen. Oh, but people are ashamed of that today. Mais les gens sont honteux de cela aujourd'hui. But if you get one from the president, mais si vous recevez une invitation venant du président, you would say, "What? Look, what an important person I am." Vous allez dire, oh, voici quel homme d'importance je suis. The president of the United States has invited me to a wedding supper. Parce que le président des États-Unis m'a invité pour le souper. Oh, it would be an honor. Oh, ça sera vraiment l'honneur. To go to such a wedding. Pour aller dans un tel mariage. It would be an honor. Ça sera un honneur. You would be a selected person to attend a wedding like that. D'être une personne sélectée pour aller dans un tel mariage. Oh, and I'm sure the president wouldn't send you such an invitation unless he thought that you surely would accept it. Et je ne pense pas que le président vous enverrait une invitation comme cela à moins qu'il soit vraiment qu'il soit sûr que vous allez accepter l'invitation. But what do you think would take place if you sent him word back and said, "I don't want to come"? Mais pensez-vous qu'est-ce qui peut arriver si vous lui envoyez un message pour lui dire que je ne serai pas mesé de venir. I don't want to come. Et je ne veux pas venir. How that would hurt his feelings. Comment cela va déranger son sentiment? Oh. I sent that man an invitation. Oh là là, j'ai envoyé une invitation à cet homme. He says he doesn't want to come. Et il a dit que je ne veux pas venir. The president's feelings will be hurt. Le sentiment du président sera vraiment touché. How do you think the feelings of God would be hurt when we hear His invitation and we neglect to respond to it. Qu'est-ce que vous pensez que quand nous recevons l'invitation de Dieu et nous négligeons de répondre à cela? Oh, God help us. Que Dieu nous aide. You see. Vous voyez. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. The prophet of God says. Le prophète de Dieu dit. People say. Les gens disent. That the people that got the Holy Ghost brag too much about it. Que les gens qui ont le Saint-Esprit font beaucoup de bruit pour le Saint-Esprit. We can't brag enough about it. On ne peut pas faire assez de bruit pour cela. Amen. Because we are invited to the wedding supper of the Son of God. Parce que nous sommes invités au souper du Fils de Dieu. It's worth walking on the street and testifying and telling every creature you come in contact with that what a good thing it is that you're invited to the wedding supper. Ça mérite de marcher dans tout le riz. Amen. En témoignant, amen. En disant à chaque créature, amen. Que vous êtes venu en contact. Oh, quelle chose merveilleuse que d'être invité dans un souper de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Think of it. Pensez-y. There's no day can go by. Un jour ne peut pas passer without you. Sans que vous, rejoicing over that invitation. Vous puissiez vous réjouir de cette invitation. Alléluia. Alléluia. Blessed be the name of the Lord. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh my. Now you say, look, if Mr. Eisenhower would like to say, I wonder why this man doesn't want to come. Alors si ce président disait, je me demande si cet homme viendra ou pas. He inquires. Il a demandé. And he finds out. Et il trouve. The man. Que l'homme says, a dit, I'm such a poor man. Que je suis un homme pauvre. I don't have nice clothes. Je n'ai pas de beaux habits.
All I got is rags. Tout ce que j'ai, c'est vrai que des lambeaux. So I cannot go to the White House like je ne peux pas aller dans la Maison Blanche comme ceci. I would look out of the place. Je vais regarder notre place. I would embarrass everybody there. Je vais embarrasser tout le monde là-bas. For them to be there and see a fellow like that. De me voir comme c'est cela. Oh my. That's the reason I don't want to go. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas partir. Now if Mr. Eisenhower. Si Eisenhower would hear that. Va écouter cela. What would he say? Qu'est-ce qu'il va dire? Oh my good man. Oh mon bon homme. Do not worry. Ne t'en fais pas. Listen. Écoute. Mr. Eisenhower. If he knew that you didn't have clothes fit to wear. Monsieur Eisenhower. Si il savait que vous n'avez rien pour vous habiller, he would make arrangements for that. Il va faire un arrangement pour cela. Would make arrangements. Il va arranger pour cela. He's going to make sure. Il va s'assurer. Hallelujah. Amen. You have a willingness to come. Que vous avez la volonté de venir. He's so happy to know that. Il est content de savoir cela. He says, but you want clothes. Mais il dit que vous avez besoin d'habits. And clothes are not an issue for me. Amen. Les habits n'est pas un problème pour moi. Hallelujah. Amen. Oh, he's going to make arrangements for that. Il va faire un arrangement pour cela. And that's exactly what God did. Amen. Amen. C'est exactement ce que Dieu a fait. He made arrangements. A fait un arrangement. That you should be dressed. Que vous serez habillé. In a certain way. D'une certaine glory façon. God. Amen. God himself. Dieu lui-même. Knowing that heaven is holy. Sachant que le ciel est saint. Heaven is holy. Que le ciel est saint. Heaven is pure. Que le ciel est pur. Heaven is perfect. Que le ciel est parfait. God makes sure. Dieu s'assure. But before we go there. Avant d'y aller, he gives us il nous donne a perfect garment. Amen. Un habit parfait. A perfect robe. Une robe parfaite. Oh, blessed be the name of the Lord. Et le nom du Seigneur soit béni. God makes arrangements. Dieu fait un arrangement. Remember. Souvenez-vous. Because his invitation. Parce que son invitation. He said. Il a dit. He called the good and the bad. Il appelait les bons et les mauvais. Call them all together. Il les appelait tous ensemble. Call them from all ranks of life. Il les a amenés, il les appelait partout. Not just from the rich. Pas simplement de riches. Not just from the white. Pas simplement le blond. Not just from the colored. Pas simplement par le couleur. Not just from the oh, call them bad and good. Appelez-les les bons et les mauvais. Let them come. Laissez-les venir. Hallelujah. Amen. I am so glad. Je suis heureux that invitation que cette invitation is to whosoever will. C'est pour tout celui qui voulait, qui voudra. Are you willing this morning? Est-ce que vous le voulez ce matin? Remember Sister Anne-Marie's request this morning. Souvenez-vous du requête de notre sœur. That God que Dieu would answer. Que va répondre, that God would bless que Dieu va bénir, those that have a desire to come near God. Que Dieu va bénir tous ceux qui ont le désir de s'approcher plus de Dieu. As if she knew my message. Comme si elle savait mon message. But God knew both us. Mais Dieu nous connaissait nous tous. And this morning, et ce matin, we're having a double testimony. Vous avez un témoignage double. If this morning, si ce matin, you check your heart, vous contrôlez votre cœur, and you know in your heart, et que vous savez dans votre cœur, you have a desire. Amen. Vous avez le désir. You want to come close to God? Et vous venez vous approcher près de Dieu. Away from the world? Loin du monde. Closer to God? Près de Dieu. This morning? Ce matin? It's your morning. C'est votre matin. Hallelujah. Amen. God is drawing you. Dieu est en train de vous tirer. He's preparing you. Il est en train de vous préparer. For a place that's perfect. Dans un endroit qui est parfait. Hallelujah. Amen. There won't be no sin in heaven. Il n'y aura pas de péché au ciel. There won't be no evil in heaven. Il n'y aura pas le mauvais, le mal. There won't be no hatred in heaven. Il n'y aura pas la haine. There won't be no backbiting in heaven. Il n'y aura pas de critique. All those things. Toutes ces choses. Must be circumcised. Doit être circoncis. Right here. Ici sur la terre. Because we are being prepared. Parce que nous avons été préparés. For a perfect place. Pour une place parfaite. God makes arrangements. Dieu fait un arrangement. Because he called the good and the bad all together.
together. Parce qu'il a appelé les bons et les mauvais tous ensemble. Makes no difference. Ça ne fait pas de différence. What your past life has been. Ce que a été ton passé. Amen. Amen. When you got an invitation to come, quand vous recevez l'invitation de venir, you're ready to come. Tu es prêt de venir. If you've been bad, si tu as été mauvais, you've been a street walker, si tu as été celui qui marche dans la rue, if you've been a gambler, si tu as été celui qui fait des jeux d'argent, if you've been a drunkard, si tu as été un ivrogne, if you've been a murderer, si tu as été un meurtrier, no matter what you've been, peu importe ce que tu as été, if God gives you the invitation, alléluia, si Dieu te donne l'invitation, alléluia, knock on the right door. Il frappe à la porte de ton cœur. God will take care of that. Alléluia. Tu prendras soin du reste. Alléluia. Amen. He's got a solution. C'est ça. Il a la solution. For every problem we have. Pour chaque problème que nous avons. God has a solution. Dieu a la solution. And the solution. Et cette solution là. Is red in color. C'est écrit en couleur rouge. The solution. La solution. Is the blood. C'est le sang. The solution. La solution. Is the blood of the Lamb. Amen. Hallelujah. Amen. God makes arrangements. Dieu fait un arrangement. Make sure. Il s'assure. That everyone. Que chacun de nous. Can come in. Peut venir. If you are willing. Si vous avez la volonté de venir. Blessed be the name of the Lord. Que le Seigneur soit béni. Don't weary and say. Ne vous en faites pas dire. Well, I've just been a lukewarm church member. Que j'ai été juste dans une église. I've been a lukewarm church member. J'ai été un membre de l'église tiède. It's hard for me to say amen. C'est difficile pour moi de dire amen. It's hard for me to get in the spirit. C'est difficile pour moi d'entrer en esprit. Listen to the prophet's answer. Écoutez la réponse du prophète. He will take care of that too. Il prendra soin de cela aussi. Amen. Alléluia. God will take care of that. Dieu prendra aussi soin de cela. He'll take your lukewarmness and throw it away. Il va prendre ta condition de tiédeur et jeter cela. And he'll send a fire in your life. Et il enverra le feu dans ta vie. Why? Pourquoi? He wants you to be fit for heaven. Parce qu'il veut que tu sois préparé pour le ciel. Amen. Amen. Because heaven is not lukewarm. Every street in heaven, chaque rue au ciel, this is Hallelujah Boulevard. Oh, ça c'est le boulevard, Alléluia. This is glory to God. Ça c'est la avenue, la gloire de Dieu. Heaven is filled with worship. Le ciel est plein d'adoration. So God will not take your lukewarmness and put it in heaven. Dieu ne prendra pas ta condition de tiédeur pour amener cela au ciel. But if you're willing, mais si tu as la volonté de venir, God will take care of that right here. Dieu prendra soin de cela maintenant même. Amen. Amen. He's got a solution. Il a la solution. And the solution. Et la solution. Still the blood. C'est toujours le sang. Because the life that was in the blood. Parce que la vie qui était dans le sang. Is the Holy Ghost. C'est le Saint Esprit. And the Holy Ghost upon you. Et le Saint Esprit sur vous. Doesn't make you lukewarm. Ne te fera jamais tiède. Alléluia. Amen. Oh, blessed be the name of the Lord. Que le nom du Seigneur soit béni. See, he'll take care of that. Voyez, il prendra soin de cela. See, oh, you say, what is the invitation? Vous dites, quelle est l'invitation? Whosoever will. Celui qui veut. Let him come. Qu'il vienne. And drink the waters of life freely. Et qu'il boit l'eau de la vie gratuitement. The invitation is to whosoever will. Et l'invitation c'est pour celui qui veut. Oh, blessed be the name of the Lord. Quel est le Seigneur soit béni. Now in the Orient. Maintenant, là-bas en Orient. See, the son whose wedding it was to be had to furnish the robes. Celui qui organisait le mariage, c'est celui qui devait fournir des robes. Amen. Amen. The son, le fils, whose wedding it was, à qui appartenait le mariage, he had to furnish the robes. C'est celui qui devait donner des robes. Blessed be the name of the Lord. Que le Seigneur soit béni. He said, you want to come to my wedding? Il dit, voulez-vous venir dans mon mariage? I'm going to send some people there. Je vais envoyer quelques gens là-bas. They're going to take your measurements. Ils vont prendre vos mesures. They're going to take your measurements. Ils vont prendre vos mesures. Hallelujah. Amen. And when they take your measurements, et quand ils vont prendre vos mesures, and they're going to bring in the measurements. Et alors ils vont amener les mesures. And I'm going to supply a robe. Alors je vais donner des robes. Blessed be the name of the Lord. Le Seigneur soit béni. By the name of
Peter. Il y avait un homme du nom de Pierre. Peter came down one time. Et Pierre est venu une fois. And he was preaching about this robe. Il prêchait au sujet de cette robe. And the people said, et les gens ont dit, we are lukewarm church member. Nous sommes le membre de l'église tiède. Is there a chance for us? Est-ce qu'il y a de la chance pour nous? Peter said, yes, there is. Pierre a dit, oui, il y a la chance. Repent. Repentez-vous. Amen. Amen. Repent. Repentez-vous. And be baptized. Et soyez baptisés. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. And you shall receive the robe. Et vous recevrez la robe. Amen. You see. Voyez. And if your repentance. Et si votre repentance. Is genuine. Est vraiment correcte. Amen. If your true repentance. Si vous êtes vraiment repenti. See, the Holy Spirit measures your repentance. Oh, yeah. Voyez, le Saint-Esprit mesure votre repentance. Amen. Is it from here? Or is it just from here? Or is it from here? Est-ce que c'est juste les paroles, la tête, ou cela vient du cœur? Amen. Amen. The Holy Spirit measures that. Le Saint-Esprit mesure Amen. Cela. Amen. Amen. And gives report to the Father. Donc, il amène le rapport au Père. Father, au Père. They really are heartbroken. Ils sont vraiment d'un cœur brisé. They really are sorry. Ils sont vraiment désolés. They really want to turn from their evil ways. Ils veulent vraiment se détourner du mal. They're tired of neglecting you. Ils sont fatigués de te négliger. They want to get into the kingdom. Ils veulent entrer dans le royaume. There's a real desire. Il y a vraiment un vrai désir. The Father said, et le Père dit, send the robe down. Envoie la robe. Send the robe down. Envoie la robe. The robe is the Holy Ghost. La robe, c'est le Saint-Esprit. Oh, blessed be the name of the Lord. Que le nom du Seigneur soit béni. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. The prophet says this. Le prophète dit ceci. Notice now. Remarquez ici. This robe here. Cette robe ici. Because now, in this group. Maintenant, dans ce groupe, one maybe a rich woman, peut-être quelqu'un qui est une femme riche, flower hat, avec un chapeau de fleurs, well, might be a rich man, peut-être que ça sera un homme riche, with a tuxedo on, avec les tuxedos, and the next woman, peut-être la femme suivante, come with a gingham, I don't even know what gingham is, but some kind of poor clothes on, avec vraiment un habit comme des lambeaux. Is that right, my friend? C'est ça, mes amis. And the next woman beside that one has a silk, silk skirt on. Now that wouldn't be a good party. Ça veut dire si vraiment dans une fête où vous trouvez c'est ceux qui sont bien habillés, ceux qui sont mal habillés, ça ne sera pas vraiment une bonne fête. You see, and you see in those kind of earthly parties. Et vous savez dans ces fêtes terrestres. They begin to cater more to that table there. On va commencer toujours à se joindre dans cette table là-bas. Bring all the best food to that table. Ils vont amener la meilleure nourriture à la table de ceux qui sont bien habillés. And the other poor folks there have to wait. Et ceux qui sont fatigués, mal habillés, les pauvres doivent attendre, attendre. And get the crumbs that are left. Ils vont prendre les miettes qui sont restées. Not so with Almighty God. Pas comme ça avec le Dieu Tout-Puissant. No, no, no. Non, non, non. The prophet says. Le prophète dit. You see, I tell you. Je vous dis, what this old-time religion will do, ce que cet ancien évangile fera, what this robe will do, ce que cette robe fera, it'll make a poor gingham skirt and a silk skirt put their arms around one another and call them sister. Fera que celle qui est mal habillée et celle qui est bien habillée puisse s'embrasser, s'appeler sœur. Amen. Amen. Why? Pourquoi? Because now. Parce que maintenant. They have a different robe. Ils ont maintenant des robes différentes. They have a spiritual robe. Elles ont la robe spirituelle. Their spiritual robe is the same. Parce que la robe spirituelle est la même. Their natural robes may be different. Leur robe naturelle peut être différente. But their spiritual robe is the same. Mais leur robe spirituelle est la même. Amen. Amen. It'll make a tuxedo hug a pair of overalls and holler, brother, I love you. Fera celui qui est en veste de tuxedo puisse embrasser celui qui est mal habillé pour dire frère, je t'aime. Amen. Amen. It'll make no distinction of persons. Ne fera pas la différence de personnes. Favor the rich and despise the poor. Donc, être en faveur avec le riche et mépriser les pauvres. That's earthly. Ça c'est charnel. We talk about heavenly things. Nous sommes en train de parler de choses célestes. When we get see, we oh my God, give me a little time here. But we know that before we go to heaven, nous savons qu'avant d'aller au ciel, heaven must first come here. Amen.
Le ciel doit d'abord descendre ici. But I hold it in your mind. Saisissez cela dans votre pensée. Don't forget. N'oubliez pas cela. Before we go to heaven. Avant que nous puissions aller au ciel. Heaven must come here. Le ciel doit d'abord descendre. Amen. Amen. Oh, praise God. Que Dieu soit loué. Now watch. Remarquez. The prophet says this. Le prophète dit ceci. My. You're skipping good things here, but to save time. Je suis en train de sauter les bonnes choses ici juste pour gagner le temps. Now. God made a robe also to cover. Dieu aussi a fait des robes pour couvrir. That's the blood of Jesus Christ. C'est le sang de Jésus Christ. By the Holy Ghost. Par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Now when the people come, maintenant quand les gens viennent, they brought their invitation. Ils amènent leur invitation. Oh my. You present your invitation. Vous présentez votre invitation. You're given a robe. On vous donne la robe. You get into inside. Vous entrez. Amen. Amen. My. Let's get to here. Paragraph 32. Paragraph 32. All right. 33. 33. Paul met some Baptists in Acts 19. Paul a rencontré quelques baptistes dans Acte 19. Have you received the Holy Ghost since you believe? Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? They have invitation. Ils avaient l'invitation. But have you gotten the robe on yet? Avez-vous déjà reçu votre robe? Amen. Amen. To receive the invitation is one thing. Recevoir l'invitation est une chose. But then you've got to get the robe. Yes. Et après, vous devez recevoir la robe. Amen. Amen. So your RSVP, your answer to the invitation is your answer of your good conscience in repentance. That's what brings measurement to heaven. That this person is ready for the robe. Votre réponse à l'invitation, c'est la réponse d'envoyer votre mesure au ciel pour vous envoyer la robe. Amen. Amen. Because remember, see, you could not go to the president's supper up there if he asked you. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas aller au souper du président là-bas si vous avez demandé. With your hands all black and greasy and women, your hair all hang down, disorder and everything, face not washed, and you need not, maybe with an old kitchen apron on, and you want to go to a place like that? Vous n'irez pas avec vos mains sales, noires, avec la graisse, les femmes avec les cheveux, avec les habits de la cuisine. Vous n'allez pas partir comme ça. No. You go like that? Si vous partez comme ça, prophet says, le prophète dit, you will be out of place. Vous n'aurez pas de la place. See, you'll be so out of place. Vous serez en désordre. So out of place. Vraiment en désordre. And so would a bunch of lukewarm, so-called Christianity be out of place when it hits that heavenly place. Ainsi sera ces bandes de soi-disant chrétiens tièdes seront aussi dépaysés quand ils vont arriver là-bas. Amen. Amen. See, because you take lukewarmness up there, quand vous amenez la tièdeur là-bas, be so out of place. Vous serez vraiment dépaysé. Because there, parce que là-bas, what's there? Remarquez. Where they're shouting. Là où il y a des cris. Praising. De louange. Rejoicing. De joie. And singing in the spirit. Et des chants en esprit. See? Voyez? You go there with lukewarmness. Vous partez là-bas avec de tiède. Oh my. What is going to happen? Qu'est-ce qui va arriver? You're going to be so out of place. Vous serez vraiment dépaysé. Amen. Amen. My angels, where are you coming from? Les anges vont regarder, mais celui-ci, il vient d'où? And you'll be looking. Et vous allez regarder aussi. What's all the excitement? Tout ça, c'est quoi? What's all the excitement? Mais cette joie ici, c'est pourquoi? I just didn't want to go to hell. Je ne voulais pas juste aller en enfer, c'est pourquoi je suis ici. Je ne m'attendais pas à venir des endroits de bruit comme ça, alléluia, tout ça. What did we read in the Bible? Mais qu'est-ce que nous avons lu dans la Bible? They said, bind him hand and foot. Liez-le le pied et le main. Bind him hand and foot. Liez-le le pied et le main. Cast him out. Jetez-le dehors. In the outer darkness.
dans les ténèbres, where there's gnashing of teeth, là il y a des crissements de dents, and weeping, avec des pleurs, because they don't belong here, parce qu'ils n'appartiennent pas ici. Hallelujah. Hallelujah. Oh my! You see, the prophet says, le prophète dit, that this bunch would be so out of place. Ces groupes seraient vraiment dépaysés. Oh, blessed be the name of the Lord. Que le Seigneur soit béni. God help us. Que Dieu nous aide. The prophet talks about that man. Le prophète parle de cet homme. Let's get here. And I believe it's paragraph 40. Look here. He said, now, look here. What happened? Qu'est-ce qui est arrivé? What could he say? Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Because the question was put to him right here. La Bible, la question était ici. Said, friend, how camest thou in hither, not having a wedding garment? C'est-à-dire, ami, comment tu es arrivé ici sans avoir l'habit de la fête? And he was speechless. Il était sans parole. Oh, listen to the prophet. Écoutez les prophètes. The Bible said he was speechless. La Bible dit qu'il était sans parole. He couldn't say nothing. Il ne pouvait rien dire. Why? Pourquoi? Because he came in some other way besides the door. Parce qu'il était venu d'une autre façon que par la porte. Amen. If he had come by the door, si il était venu par la porte, he would have gotten a robe. Il allait avoir la robe. Because at the door, parce qu'à la porte, stands one with the robe. Il y avait quelqu'un qui était avec la robe. Puts the robe on, you come in. Donne la robe, tu entres. But this fellow was inside. Mais cette personne s'est trouvée à l'intérieur. But he didn't have a robe on. Sans la robe. And the question was, la question était, friend, ami, how did you make it in here? Mais comment tu es entré ici? Which way did you come here? Par quelle fois tu es entré ici? You must have broken a window. Non, tu dois avoir entré par la fenêtre. Is that right? C'est vrai juste. Because if you came by the door, you would have a robe. Mais si tu étais venu par la porte, tu allais avoir la robe. Listen, he comes some other way beside the door. Il est venu d'une autre façon que par la porte. Jesus said, I am the door. Jésus a dit, je suis la porte. Hallelujah. Amen. If you come in, venu, come by me. Viens par moi. I am the door. Je suis la porte. I have a robe. J'ai une robe. I'll give you one. Je vais te donner une. Amen. Amen. You'll know you have a robe. Tu sauras que tu as une robe. When you come in, quand tu entres, you'll be like the rest of them inside. Tu seras comme le reste qui sont à l'intérieur. But if you come by the window, mais si tu viens par la fenêtre, oh, I made it in. I made it oh, in. Je suis entré, je suis entré. Where's the robe? Mais où est la robe? He was speechless. Il était sans parole. Oh my. Jesus said, he that climbeth up some other way, celui qui monte par une autre voie, is a thief and robber. C'est un voleur. See, you could get there. Tu vas y arriver. You'll be in heaven. Tu es dans le ciel. But you'll be kicked out again. Mais tu seras encore jeté. Oh my. Oh là là. Oh my. Oh là là. See, listen now. Écoutez maintenant. See, if they get more hell than ever. More hell than ever. I mean, you make yourself a more candidate of hell than ever. C'est-à-dire que tu te fais vraiment juste plus un candidat d'enfer plus qu'avant. To know that you were there to see the beauties and then be rejected. Après avoir vu la beauté du ciel et que tu sois encore rejeté. What is this robe? Qu'est-ce que cette robe? When you wear the robe of Christ, quand tu t'habilles de la robe de Christ, you should have the spirit of Christ in you. Tu dois avoir l'esprit de Christ sur toi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. When you have the robe of Christ, quand tu as la robe de Christ, you should have the spirit of Christ in you. Tu dois avoir l'esprit de Christ en toi. And the spirit of Christ, et l'esprit de Christ, will act like Christ. Agira comme Christ. Amen. Amen. It will do the works of Christ. Fera les œuvres de Christ. Amen. Amen. It will be gentle. Sera gentil. It will be long suffering. Il y aura plein de patience. There will be goodness in there. Il y aura de la bonté là-bas. Mercy. Il y aura la miséricorde. Be meekness. Il y aura l'humanité. Patience. La patience. Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Joy unspeakable. La joie sans raison. Of glory. Plein de gloire. That is the robe. Voilà la robe. When you have that, quand tu as cela, you know it. Tu le sais. Amen. Amen. Don't presume nothing. Ne faut pas présumer. You've got to be certain. Tu dois être certain. You've got a robe on. Que tu as cette robe.
love, l'amour, joy, la joie, peace, la paix, long suffering, la longanimité. That's the spirit of God. C'est ça l'esprit de Dieu. That comes when you are robed with His righteousness. Il vient quand tu as porté la robe de sa justice. His spirit lives in you. Son esprit vit en vous. Oh, there's a river of life. Oh, il y a une rivière flowing out from me. Qui jaillit de moi. Next to lean to walk. Qui fait que le blind to see. Et le avec de voir. A river of life flowing out from you. Jaillit, de vous. You know you have the robe. Vous savez que vous avez la robe. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, thank you, Jesus. Merci, Jésus. You know, vous savez, the Bible is full of mysteries. La Bible est plein de mystères. Brother Smart. Frère Smart. How did this fellow make it in there? Comment cet homme était entré là-bas? Without a robe on. Sans la robe. Oh my. Oh là là. And he was kicked out. Il avait été jeté. Oh, blessed be the name of the Lord. Que le nom du Seigneur soit béni. I don't know if I have time to get into that. Je ne sais pas si j'ai le temps pour toucher ça. Maybe for a minute. Juste pour quelques minutes. Let me get something here. Laissez-moi toucher quelque chose ici. From a message called. Dans un message appelé. Hear ye him. Écoutez-le. Blessed be the name of the Lord. Que le nom du Seigneur soit béni. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. The prophet says this. Le prophète dit ceci. Listen, my friends. Écoutez, mes amis. See, oh my, listen, see, the church, l'église, will have to have the same spirit, doit avoir le même esprit, doing the same thing, faisant le même chose, that Jesus did, que Jésus a fait. Amen. Amen. Can we say that again? Est-ce qu'on pouvons-nous dire ça de nouveau? That bears quoting again, doesn't it? Oh, ça mérite de le répéter. The church will have to have the same spirit. L'église doit avoir le même esprit. Doing the same things that Jesus did. Faisant le même chose que Jésus avait fait. Or it'll never go in the rapture. Au cas contraire, elle n'ira jamais en enlèvement. Amen. Amen. Is that a small matter? That's no small thing. Ça, c'est pas une chose petite. That's no small thing. C'est pas une petite chose. The church, l'église, will have to have the same spirit. Doit avoir le même esprit. That Jesus did have. Que Jésus avait. And doing the same things Jesus did. Faisant les mêmes choses que Jésus avait fait. Or else, it will never go in the rapture. Au contraire, il ne partira jamais dans l'enlèvement. Oh, brother, sister. Frères et sœurs. Look. Regardez. Jesus was always about the Father's business. Jésus était toujours au travail du Père. And the prophet tells us. Le prophète nous dit. Friends, mes amis, that's the secret of the message. Voilà le secret du message. Is to always be about the Father's business. C'est d'être toujours au travail du Père. Always looking in the Scriptures. Toujours regardant les Écritures. What does the Scripture say of me? Qu'est-ce que l'Écriture dit de moi? What does the Scripture say of me? Qu'est-ce que l'Écriture dit de moi? What must the church look like? Qu'est-ce que l'Église doit être comme? What should I? As a believer, moi, comme croyant, should look like, doit être. Amen. Amen. You see, that is the Father's business. Voilà le travail du Père. Because Jesus, parce que Jésus, at the age of 12, dans l'âge de 12 ans, he was about the Father's business. Il était au travail du Père. Know ye not, I must be about my Father's business. Mais savez-vous pas que je dois être au travail de mon Père? What was the Father's business? Qu'est-ce qu'était le travail du Père? Alléluia. Alléluia. Vindicate. What the prophet said about him. Confirmer ce que le prophète avait dit sur lui. Amen. Amen. Everything that Isaiah said. Tout ce que Isaiah avait dit. Jeremiah said. Jérémie avait dit. Moses said. Moïse avait dit. About me. Au sujet de moi. I must fulfill that. Je dois les accomplir. That was the Father's business for Jesus Christ. Voilà le travail du Père pour Jésus Christ. To fulfill the Old Testament. C'est d'accomplir l'Ancien Testament. And the prophet says. Le prophète dit. What is the Father's business for? Me. Quel est le travail du Père pour moi? Today, aujourd'hui, he said it's to vindicate. C'est de confirmer. Luke 17:30. Yes, vindicate. Confirmer. Malachi 4. Malachi 4. Vindicate. Confirmer. Revelation 10:1-7. Apocalypse 10:1-7. That was the Father's business for the prophet. Voilà le travail du Père pour le prophète. Church of the Living God. L'Église du Dieu vivant. Wake up. Réveillez-vous. What is the Father's business for the church? Quel est le travail du Père pour l'Église? The Father's business for the church. Le travail du Père pour l'Église. Oh, glory to God. Gloire à Dieu. To come into the
à la connaissance, à temperance, à toute la tempérance. Oh, I can't add temperance. Oh, je ne peux pas ajouter la tempérance. But I can only take this much. Parce que je peux avoir un peu de patience, de tempérance. If they cross a certain line, si ils traversent simplement cette I ligne, can't take it no more. Je ne peux plus supporter. Remember, souvenez-vous, the Father makes arrangements. Le Père a fait un arrangement. Amen. Amen. The Father makes the arrangements. Le Père fait l'arrangement. That's the robe. C'est ça la robe. You can't say it was too tight for me over here. Oh, vous ne pouvez pas dire que c'est vraiment serré pour moi ici. The Father makes the arrangements. Amen. Le Père fait l'arrangement. Amen. To your knowledge. À la connaissance. Add temperance. Amen. Ajoute la tempérance. Amen. If you have to stay on your face crying, si tu dois rester en train de pleurer, add temperance. Ajoute la tempérance. Amen. Or else it will not go up. Au cas contraire, ça ne montera pas. The building will stop right there. Le bâtiment restera là. Amen. Amen. You must add temperance. Vous devez ajouter la tempérance. I must add temperance. Je dois ajouter la tempérance. Glory to God. Gloire à Dieu. Oh, glory to God. Gloire à Dieu. He's got all the materials. Oh, il a tous les matériaux. He says heaven is mine. La terre est pour moi. Earth belongs to me. La terre m'appartient. I own everything. Silver and gold are mine. Tout est à moi. Hallelujah. L'or et l'argent m'appartient. I will restore, saith the Lord. Je restaurerai, dit le Seigneur. And stay there. Alors, restez là. Until temperance is added. Jusqu'à ce que la tempérance sera ajouté. Amen. Amen. Walk all over your feet. Marchez avec vos pieds. Call you any names. Vous vous appelez n'importe quel nom. Just as dead as a corpse. Vous restez comme un cadavre. What is it? Qu'est-ce que c'est? Father making arrangements. Le Père qui fait l'arrangement. Father bringing heaven to earth. Le Père qui fait descendre le ciel sur la terre. Gloire à Dieu. Before we go to heaven. Avant que nous puissions aller au ciel. Heaven must first come down. Le ciel doit d'abord descendre. Oh, glory to God. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Oh, watch this, my friends. Regardez ceci, mes amis. Now. Maintenant. See. Now, oh my, let's just... We're skipping so many good things here. Il y a beaucoup de bonnes choses que nous sommes en train de sauter ici. Now, if the child did then not obey, was not about the father's business, God could raise him up another son. Et si le fils n'obéissait pas le père, il n'était pas au travail du père, alors le père pouvait susciter un autre fils. That's what God did. C'est ce que Dieu avait fait. Raise up a Luther. A susciter Luther. But Luther couldn't come to perfection. Luther ne pouvait pas arriver à la perfection. Raise up a Methodist. Il a suscité le méthodiste. Is that right? C'est juste. Raise up a Nazarene. Il a suscité les Nazaréens. Raise up Pilgrim Holiness. Il a suscité les pèlerins de sainteté. Raise up Pentecost. Il a suscité les pentecôtistes. He will keep on raising up. Il continuera toujours à susciter. Raising up. Il continuera toujours à susciter. Until he gets one. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il va avoir un. He said Alléluia. Alléluia. And the prophet said Alléluia. Et il a dit Alléluia. Le prophète dit aussi Alléluia. God will keep on raising. Dieu continuera toujours à susciter. Until he gets one. Jusqu'à ce qu'il aura un. Alléluia. Alléluia. Oh God. Oh Dieu. I hope to live to see that church. Alléluia. Je souhaiterais vivre pour voir cette église-là. When she rises in the power and the beauty of the resurrection. Quand elle va susciter dans la beauté de la puissance de la résurrection. When she's fully dressed. Quand elle sera pleinement habillée. Hallelujah. Amen. See, with the powers. Avec la puissance. Of God. De Dieu, working through her, agissant à travers elle, signs and wonders, de signes et de prodiges, following the believers, suivant les croyants, amen, amen. God in His power, Dieu dans sa puissance, in His might, dans sa puissance. Oh how wonderful! Oh quel merveilleux! To look into that, de regarder ça, and to say, et de dire, oh Lord, oh Seigneur, let me identify myself with this, que je puisse m'identifier moi-même à ceci. That's the Father's business. C'est ça le travail du Père. Oh, then if this church did obey, et si cette église avait obéi, how the tutor like to come to the Father and say, oh, He's just wonderful.
Comment les tuteurs pouvaient venir au Père et dire, oh combien est merveilleux. Why the work's done just exactly the way you did it. Pourquoi? Parce que l'œuvre a été faite exactement comme tu l'avais fait. That son of yours down there, Father, is carrying on the work, your instructions, letter by letter by letter. Oh Père, ton fils là-bas, il est en train de suivre, de porter les œuvres, les instructions. Lettre par lettre. Just exactly the way you did it. Comme, exactement comme tu l'avais fait. That's the kind of church. Voilà le genre d'église. That's the church. Voilà l'église. Oh, how the Father is sure proud of his son. Yeah. Combien, comment le Père sera vraiment content de son fils. You know what happens? Tu sais ce qui est arrivé? When he's getting his schooling, his training. Quand il est en train d'avoir son entraînement. De l'école. Yet he might not be able to exercise all the authority. Peut-être qu'il ne sera pas à même d'exercer toute autorité. Hasn't got it yet. Peut-être n'a pas encore eu. But he's still a son. Mais il reste toujours fils. Is that right? C'est juste. But he hasn't been placed. Mais il n'a pas encore été placé. What's holding the placing? Mais qu'est-ce qui retient le placement? It's the child has to be about the father's business. C'est que le fils doit être au travail du père. Amen. Amen. Now, if that son, mais si ce fils-là, proves to be the right kind of a son, prouve d'être le genre, le bon genre du fils, love the father's business, aimant le travail du père, stay right with his instructions, qui reste avec ses instructions, the father then on a certain day, alors le père un jour, un certain jour, took that son out before the public. Va amener le fils devant le public. Set him upon a high place. Il va le placer dans un endroit élevé. Clothed him in a beautiful garment. Va l'habiller dans un bon habit. Amen. Amen. He had what is called the placing of a son. Positionally, the adoption of the son. Il a ce qu'on appelle le placement de l'adoption du fils. Amen. Amen. Oh, glory to God. Let's just get here. We got a few minutes here. Ça va quelques minutes ici. Oh, blessed be the name of the Lord. Le Seigneur soit béni. Then the son could fire who he wanted to. Alors le fils pouvait chasser qui il veut. He could hire who he wanted to. Et il pouvait aussi engager celui qu'il veut. He was in full possession of all the father had. Il était dans la position. Il avait l'autorité de tout ce que le Père avait. Blessed be the name of the Lord. Que le nom du Seigneur soit béni. You believe that, my friends? Vous croyez à cela, mes amis? I'm skipping this precious page, but I'm going to save it for another sermon. Je suis en train vraiment de sauter des choses. Je vais garder ça pour un autre sermon. Listen, my friends. Écoutez, mes amis. See, now, it's coming to a time where impersonations. Il est arrivé au temps de l'imitation. Carnal thinking. De pensées charnelles is going to be circumcised from the real true body of Christ. Et ça sera circoupé du vrai corps de Christ. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Listen, friends. Écoutez, mes amis. Imitations, carnal thinking, lukewarmness, all these things will be circumcised from the real true body of Christ. L'imitation, les pensées charnelles seront coupées du vrai corps de Christ. Amen. He's going to have a body that's pure and holy. Amen. Il va avoir un corps qui sera saint et pur. And filled with his spirit. Rempli de son esprit. Walking in his spirit and doing the works that he did. Amen. Marchant dans son esprit et faisant les œuvres qu'il avait fait. Be faithful to that. Soyez fidèle à cela. Be faithful to that. Soyez fidèle à cela. God is looking for a church. Dieu est en train de chercher l'église. God is looking for an individual. Dieu est en train de chercher un individu. That's about the Father's business. Il est au sujet du travail du Père. And here's a promise. Voilà maintenant la promesse. He says God is going to circumcise. Dit que Dieu va couper. He's going to take off. Il va ôter every carnal thinking. Toutes les pensées charnelles. Every imitation. Toute imitation. Every lukewarmness. Toute cédère. Every starch. Tout cela. God is going to take it off. Va, Dieu doit couper au thé. What is it? Qu'est-ce que c'est? Bind him head and foot, foot and hand. Liez-les le pied et le main.
He doesn't belong here. Il n'appartient pas ici. Cast him out. Jetez-le dehors. Remember, souvenez-vous, heaven comes down here first. Le ciel descend ici premièrement. Are you with me? Vous êtes avec moi? Then, alors, watch in adoption part 1. Dans l'adoption partie 1. Blessed be the God of our Father and so forth, who's blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. Béni soit le Père qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Heavenly places. Le lieu céleste. Oh, let's stop just one more minute here. Oh, arrêtons-nous juste une minute ici. In heavenly places. Dans le lieu céleste. Not just out anywhere. Pas juste quelque part là-bas. But in heavenly places. Mais dans le lieu céleste. Glory to God. Gloire à Dieu. We are assembled in heavenly. Nous sommes assemblés dans le ciel. What does it mean? Qu'est-ce que cela veut dire? It means that the position of the believer. Cela veut dire la position du croyant. Amen. Amen. So you see what I meant by saying. Vous voyez maintenant ce que je voulais dire en disant. Heaven must come down first. Que le ciel doit descendre premièrement. A heavenly atmosphere on earth. L'atmosphère céleste sur la terre. Heavenly places on earth. Le lieu céleste sur la terre. Before we go to heaven. Avant que nous puissions aller au ciel. Hallelujah. Amen. Now if I am prayed up. Mais si j'avais prié, you are prayed up, et que vous avez prié, the church is prayed up, et que l'église a prié, and we are ready for the message, et que nous sommes prêts pour le message, and we have assembled ourselves together as saints, et que nous sommes assemblés nous-mêmes les saints, called out, appelés hors des, baptized with the Holy Ghost, baptisés du Saint-Esprit, filled with God's blessings, remplis des bénédictions de Dieu, called, appelé, elected, élu, and set together in heavenly places now. Et mis ensemble dans les lieux célestes maintenant. We are heavenlies in our souls. Nous sommes célestes dans nos âmes. Our spirit has brought us into a heavenly atmosphere. Nos esprits nous ont amenés dans l'atmosphère céleste. Oh brother. Oh frère. There you are. Vous voilà. A heavenly atmosphere. L'atmosphère céleste. Oh, what could happen tonight? Et qu'est-ce qui peut arriver ce soir? What could happen tonight? Qu'est-ce qui peut arriver cette nuit? If we would be sitting here in a heavenly atmosphere. Si nous serions assis ici dans l'atmosphère céleste. And the Holy Spirit moving over every heart. Et que le Saint-Esprit agissait dans chaque sur chaque cœur, every heart that's regenerated, chaque âme qui est régénérée, every heart that's become a new creature in Christ Jesus, chaque âme qui est devenue une nouvelle créature en Jésus Christ, all sin under the blood, tous les péchés sous le sang, hallelujah, hallelujah, in perfect worship, dans l'adoration parfaite, perfect worship, l'adoration parfaite, our hands up. Nos mains levées to God, à Dieu, and our hearts, et nos cœurs, lifted, levés, sitting in heavenly places, assis dans les lieux célestes, in Christ Jesus, en Jésus Christ, worshiping together, adorons ensemble, in heavenly places, dans les lieux célestes. Oh, did you ever sit in one? Oh, avez-vous déjà assis dans une place comme cela? Brother, sister, frères et sœurs, this is heaven on earth. Ça, c'est le ciel sur la terre. Hallelujah. Amen. Blessed us with what? Nous bénit avec quoi? Divine healing. La guérison divine. Amen. Amen. God is healing. Dieu est la guérison. Amen. Amen. For knowledge. La prescience. Revelation. La révélation. Vision. La vision. Power. La puissance. Tongue. De langue. Interpretation. L'interprétation. Wisdom. La sagesse. Knowledge. La connaissance. All the heavenly blessings. Toutes les bénédictions célestes. Joy unspeakable. La joie inexplicable. Full of glory. Plein de gloire. Bubbling over. Qui est en train d'agir. Bubbling over. Qui agit. Hallelujah. Amen. That's heaven and earth. Ça, c'est le ciel sur la terre. Every heart filled with the Spirit. Chaque cœur rempli du Saint-Esprit. Walking together. Marchant ensemble. Sitting together. Assis ensemble. In heavenly places. Dans les lieux célestes. Glory to God. Gloire à Dieu. Not one evil thought.
pas une seule pensée, une seule mauvaise pensée. Among us, au milieu de nous. Not one cigarette smoked. Pas une seule cigarette fumée. Not one short dress. Pas une habit court, un habit court. Not one this, that, near. Pas ceci et cela. Not one evil thought. Pas une seule pensée mauvaise. Nobody got nothing against nobody. Personne n'a quelque chose contre personne. Alléluia. Amen. In one place. Dans une seule place. In one accord. Dans un commun accord. Then what happens? Qu'est-ce qui arrive? Oh, all of a sudden. Soudain. It comes from heaven. Vient du ciel. A sound. Un son. A rushing mighty wind. Un vent impétueux. The robe that he puts on. La robe qui est sur nous. Let's stand to our feet. Or we couldn't finish the message. On peut pas terminer le message. But God wants us in that atmosphere. Mais Dieu nous veut dans cette atmosphère là. God doesn't want us in internet. Dieu ne veut pas dans internet. God doesn't want us slave to telephones. Dieu ne veut pas qu'on soit des esclaves de téléphone. God doesn't want us slave to films and videos and such nonsense. Dieu ne veut pas qu'on soit esclaves. Oh God, aux games aux vidéos. Set your people free. Oh Dieu, libère ton peuple. We want a heavenly atmosphere. Nous avons besoin de l'atmosphère céleste. And it takes a surrender. Ça demande quelqu'un qui s'abandonne. Oh God. Oh Dieu. Oh Lord. Oh Seigneur. This morning. Ce matin. Let me ask you, my friend. Laissez-moi vous demander, mes amis. Do you desire that heavenly atmosphere? Est-ce que vous désirez cette atmosphère céleste? Do you want that atmosphere? Voulez-vous cette atmosphère? Where sickness come among us. Quand la maladie vient au milieu de nous. It's healed. Et guéri. Amen. Alléluia. When the blind come among us. Quand les aveugles viennent au milieu de nous. And they see. Et ils voient. Do you want that? Voulez-vous? Est-ce que vous avez besoin de cela? There's a cost. Il y a un prix à payer. There's a cost. Il y a un prix à payer. It's a complete surrender. Un abandon complet. Hallelujah. Amen. God wants to bring heaven down here. Dieu veut faire descendre le ciel ici. And Satan insists on keeping us earthly. Et le diable est en train de nous garder charnels. Earthbound. Liés sur la terre. God set us free. Dieu nous a libérés. Hallelujah. Hallelujah. Gave us such a message. Nous a donné un tel message. Angels would love to have a message like this. Les anges aimeront avoir un message comme celui-ci. Noble ones on earth would like to have a message like this. Tous celui-ci de qui? Potentates, great ones, great cathedrals and things. De grandes personnes sur la terre voudront avoir un message comme celui-ci. They don't have it. Mais ils n'en ont pas. But God gave you and I this message. Mais Dieu vous a donné, vous et moi, ce message. Hallelujah. Amen. This message is able. Ce message est capable. By the power of the Holy Spirit. Par la puissance du Saint-Esprit. To create an atmosphere among us. Il y a cette atmosphère au milieu de nous. Hallelujah. Amen. When all things are possible. Toutes choses sont possibles. God is still God. Parce que Dieu reste Dieu. He cannot change. Il ne peut pas changer. Blessed be His holy name. Béni soit son Saint-Nom. Oh my. Oh là là. This morning. Ce matin. Let's just bow our heads. Inclinons simplement nos têtes. Let's pray. Prions. Let's say, Lord God. Oh Seigneur Dieu. Send the power. Envoie la puissance. Lord God. Seigneur Dieu. Send the robe. Envoie la robe. I want the robe. J'ai besoin de la robe. Lord God. Seigneur Dieu. Send it down, Lord God. Oh, blessed Redeemer, béni, Lord God of glory, Dieu de gloire. We thank you this morning. Nous te remercions ce matin for the word of your life. Pour la parole de la vie. Your life is your word. La parole, ta vie est la and parole. Your word is life. Et ta parole est la vie. It is spirit and life. C'est l'esprit et la vie. Quicken it, Lord, this morning. Vivifie cela ce matin. Among the soul. Au milieu de nous tous. That we may be quickened. Que nous puissions être vivifiés. The power of the resurrection of Christ. Puisse habiter en nous, Seigneur. Puisse agir en nous, Seigneur. Make Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Pour faire Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. You never change. Tu n'as jamais changé. In your essence. Dans ton excellence. In your nature. Dans ta nature. In your being. Dans ton être. You're ever the same. Tu es toujours le même. Oh God. Oh Dieu. We want the robe. Nous avons besoin de la robe. Let the people desire the robe. Et le gens désirent la robe. Let the angels take the measurement, Lord. Que les anges great the robe, Lord Jesus. Accorde la robe, Seigneur Jésus. Great it, Lord. Accorde le Père. Open the floodgates of heaven. Ouvre les écluses du ciel. Let it rain. Qu'il la pluie tombe. Let it rain. Qu'il la pluie tombe. Let the Father, the former and the latter rain fall together. Que la
plus de la première et de l'arrière saison tombent ensemble. As was promised. Comme cela a été promis. Let it be, Father God. Que cela soit ainsi, Père Dieu. We commit the little message. Nous recommandons ce petit message. Ourselves. Et nous-mêmes. The audience. L'audience. All of us, Lord. Tous ensemble. Into your hands. Entre tes mains. You are the great master potter. Tu es le grand maître, le potier. And we are the clay. Et nous sommes l'argile. Oh God. Oh Dieu. Shape us, Lord. Façonne-nous, Seigneur. Shape us into those stones. Façonne-nous à tes pierres. Shape us, Lord, into that image. Taille-nous à ton image. Breathe in us, Lord. Souffle sur nous, Seigneur. Breath of life. Le souffle de vie. And we may live. Que nous puissions vivre. And be that invisible army. Et d'être une armée invisible. That was prophesied. Qui avait été promis. Your prophet said. Ton prophète a dit. The church of the living God will stand again. L'église du Dieu vivant se mettra encore de nouveau debout. The tree of life will bloom again. Et que l'arbre de vie fleurira de nouveau. Great and noble King. Accorde cela, noble roi. Great and almighty God. Accorde-le, Dieu Tout-Puissant. Thy words cannot fail. Ta parole ne peut pas faillir. Heaven and earth will pass away. Le ciel et la terre passeront. His promises will stand. Ses promesses resteront. Great and almighty God. Accorde-le, Dieu Tout-Puissant. We commit all into your hand. Nous recommandons tout entre tes mains. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. And for his sake. Et pour sa gloire. Amen. 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 You believe it, my friend. Yes, sir. Amen. Oh, there's a river of life Amen. Flowing out from me. Next calling to one and not blind to see. Open prison doors, let the captive free. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. My brother, my sister. Mes frères et sœurs. Take these few words. Prenez ces peu de paroles. Of encouragement. D'encouragement. In the light of this hour. Dans la lumière de cette heure. And look into the face of God. Regardez la face de Dieu. Say, Lord God. Dis, Seigneur Dieu. Identify me. Identifie-moi. With those things. Avec ces choses. Let me be one with the word. Que je sois un avec la parole. Oh my. Oh là là. I'm going to just ask brother Dieudonné to pray for us. Je vais demander à Frère Dieudonné de prier pour nous. In closing of the service. Pour clôturer le service. And you that are in your respective homes. Et vous qui êtes dans vos maisons. Just have faith in God. Ayez simplement foi en Dieu. Amen. Amen. Have faith and believe. Ayez foi et croyez. God is able. Dieu est capable. There's nothing too hard for the Lord. Il n'y a rien qui soit difficile pour Dieu. Amen. Amen. Let's bow our heads. Inclinons nos têtes. Gracieux Père Céleste, Gracious Heavenly Father, Dieu du ciel, Dieu de bonté, God of heaven, the God of goodness, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. We are infinitely thankful to you, Father, et ce privilège que tu nous as donné ce matin, Seigneur, for the privilege you gave to us this morning, d'être à mesure d'être dans ta maison, Père, to be in your house, Father, et pour écouter ces grands messages, and to hear this great message, oh Dieu de savoir, Père, oh God, to know qu'il y a une hope, there is a hope qui a été préparée, Seigneur, that was prepared, Lord, pour ceux qui ont cru, for those who believe. Seigneur, nous te remercions.
bénédiction. We thank you, Lord. Seigneur, pour la parole de ce matin, Père. For the word this morning. Le vase que tu as utilisé, Seigneur. For the vessel you have used. Pour nous apporter la parole. To bring us the word. Nous te prions, oh Dieu. We pray, oh God. Que ce message, mon Dieu, mon roi. That this message, my Seigneur, God, Jésus, ne puisse pas nous quitter, Père. May it not just the Jusqu'à ce que nous allons aller à genoux, Seigneur. May it send us turning. Oh, pleurer. And weep, Lord. Demandez, Seigneur. And ask, Lord. Que nous puissions ajouter à notre foi. That we may add to our faith. La vertu. Virtue. À la vertu, Seigneur. Virtue. La connaissance. Knowledge. À la connaissance, and Seigneur. Lord. La tempérance. Temperance. À la tempérance, and Seigneur. Lord. Oh, mon Dieu, mon roi, jusqu'à ce que toute la vertu, Père éternel, que tu as promis, Seigneur, promised, pour que cette statue de l'homme parfait soit reflétée à nous, Seigneur. Oui, Jésus, Lord. Parce que nous sommes ces gens, ce peuple, because we are that people, cette groupe de gens, that group of people, qui ont trouvé grâce devant Dieu, grace à arriver à la perfection. To come to perfection. Nous savons que la nature tout entière soupire. We know the whole creation is gémisse, roaring. En attendant, Seigneur, waiting, Lord, de voir la manifestation, to see the manifestation, des fils et des filles de Dieu. Sons and daughters of God. Et c'est nous, Seigneur, and here we are, qui Lord. Sont appelés, Père. You have called us, we Lord. Are manifestés, Seigneur notre Dieu. Manifest, oh, cette Lord, puissance et cette gloire. That power and the glory. Oui, mon Dieu, mon roi. My God and my Dieu est en train de bâtir ce peuple. You're building up the people. Pierre après pierre. Stone after stone. Pierre après pierre. Stone on top of stone. Jusqu'à ce que cette maison sera complète. And the house will stand complete. Et nous croyons peut-être par ta grâce au Dieu du ciel. And we believe that by your grace. Oui, Jésus, le monde verra Christ sur la terre de nouveau. Yes, the world will see Jesus Christ. Nous sommes appelés à refléter Christ. We are called to reflect Christ. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, d'être le membre tiède. We don't want to be lukewarm members. Mais nous avons besoin d'être remplis de la puissance de Dieu. We want to be filled with the power of God. Hallelujah. Hallelujah. Faisons les œuvres de Dieu. Working the works of God. Ayant l'esprit que Christ avait. Having the spirit that Christ had. Hallelujah. Hallelujah. Pour manifester de nouveau, Seigneur. To manifest once again. Christ sur la terre. Christ on earth. Oh, la parole fait de chair. The word made flesh. Jésus Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jesus Christ the same yesterday. Oh, maître de toutes choses. Master of all things. Nous sommes à toi, Seigneur. We belong to you, Lord. À qui irions-nous, Père? To whom shall we go, Father? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. For you have the words of life. Bénis tous tes enfants qui ont écouté ce message ce matin. Bless all your children that listen to the message. Fortifie-les, Seigneur. Strengthen them, Lord. Il n'y a pas d'excuse. There's no excuse. Parce qu'il n'y a aucun péché que tu ne peux pas pardonner. Oh, there's no sin that you cannot pardon. C'était à cause de nos péchés que tu étais mort. You died because of our sins. Que nous puissions accepter ce que tu avais fait pour nous à la croix. Help us to accept what you've done for us at cross. Que nous puissions accepter le pardon, Seigneur. That we may accept our pardon. Oui, Jésus Christ. Yes, Lord Jesus Christ. Jusqu'à ce que nous allons nous revoir encore. Until we see each other again. Bénis-nous alors que nous partons, Seigneur. Bless us together as we go. Que ta grâce nous accompagne. May your grace go with us. Que ton esprit soit sur your spirit be upon us. Pour la gloire de ton nom. For the glory of thy name. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Nous demandons et nous croyons. We ask and we believe. Amen. 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 Oh, God bless you. Ah, that sounds so good, Amnes. Guitar. God bless Brother Timothy. Que Dieu bénisse le frère Timothée. Praise the name of the Lord. Que Dieu vous bénisse. Yes, if you got your tithes or little offerings, you just put it in the plate here. Si vous avez votre offrande, bien vos dîmes, ah, simplement